Allez, un beau sourire. Qui n'est pas la sortie. On a un parking de 200 places. On a des amphis. C'est pas donné à toutes les fédérations d'avoir le président de la FIFA venir poser la première pierre d'un projet, prise de conscience par rapport au développement du football. Parce que ce centre sera un symbole fort que la FIFA vient de nous donner, qui doit nous permettre de procéder et de tout faire pour que le football malien puisse aller de l'avant. Ce centre, ce ne sera pas seulement qu'un joyau, mais il faut en faire un bon usage. Un bon usage de par le contenu qu'on va y mettre, un bon usage par rapport à la formation qui sera donnée. La réalisation de ce centre est en fait une académie qui va servir de formation des terrains de football, des dortoirs et également un hôtel 4 étoiles pour nos équipes nationales. Le peuple du Mali, par ma voix, vous dit encore une fois merci. Essayons de nous souvenir que la FIFA est en train de porter le football malien et que nous devons tout faire pour que ce futur joyau puisse répondre à l'aspiration de la jeunesse malienne. Je suis un ministre des Sports heureux aujourd'hui parce que je vois un rêve enfin réalisé. Je vois le rêve des enfants qui n'ont pas encore commencé à jouer, mais qui vont jouer ici, qui vont loger ici, qui vont être formés ici. Et c'est comme ça que je vois les choses, c'est dans l'avenir. Monsieur le Président de la Fédération malienne de football, en présence du premier responsable du football mondial, je tiens à vous féliciter pour votre engagement. C'est seulement dans l'union qu'on peut montrer qu'on aime le football du Mali. Et c'est seulement dans l'union que nous pouvons faire sortir des terres ce projet extraordinaire. Le Mali, on le sait très bien, on l'a vu encore avec ces jeunes ici, un talent incroyable en ce qui concerne le football. Un talent naturel. Ce centre technique dont on pose la première pierre, c'est un centre qui va changer l'image du football malien, qui va le professionnaliser, qui va le propulser vers le futur de façon unie, solidaire et fière. Vous devez être fier d'être malien, vous devez être fier de ce que fait le Mali, vous devez être fier de ce que fait la Fédération malienne de football, le gouvernement malien, pour vos jeunes. Donc, si je suis là aujourd'hui avec toute l'équipe de la FIFA, ce n'est pas seulement pour poser une première pierre symbolique, mais pour vous signifier la présence de la FIFA avec vous, à vos côtés, pas seulement dans les paroles et dans les mots, mais dans les faits et dans les actes. En tant que FIFA, on est là, on est présent, on est aux côtés du Mali. On participe, on donne notre petite contribution. Mais ici, on agit avec les fêtes, avec les actions. Et quand on voit le projet de ce centre, quand on voit en quelques mois ce qu'on a pu faire pour le mettre sur pied, quand on voit comment le ministre a employé pour obtenir cette surface extrêmement importante, ben je pense qu'on peut être fier. On peut être heureux et on peut regarder au futur du football malien avec un optimisme hors pair parce qu'on le connaît, le talent du football malien. Avec cette structure, il n'y a plus d'excuses, hein. Faut gagner la Coupe du Monde. Absolument. Ah.